de tout le monde, c'est sous les entrefaits. On se retrouve aujourd'hui pour se faire une toute nouvelle épreuve d'hypercar Mountain Gods. Donc c'est la toute première fois du coup qu'on se retrouve du coup pour se faire du coup cette épreuve là. Du coup, donc ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour faire des épreuves d'hypercar. Hein. Enfin, quand je dis longtemps, ça monte pas si longtemps que ça remonte il y a 2 semaines seulement. Mais il s'agit que là, c'est du coup la troisième vidéo qu'on fait en hypercar. Hein. Et après, ben, on aura des nouvelles épreuves, mais ça sera pas en hypercar. Après, par contre, la prochaine mage. Hein. Regarde les dernières informations du service météorologique national et il semble que les routes soient encore praticables. Le problème sera de savoir à quel point elles sont sinueuses. Ça pourrait être comme du patin à glace au bord d'une falaise. Ralentis si nécessaire, assure-toi de rester. D'abord la tempête de poussière, puis le blizzard. Je me demande si les dieux du désert ont parlé de toi, dieu de la montagne. Espérons qu'ils soient tous de mèche avec les dieux de la victoire. Hein? J'aime bien cette épreuve de glace. Allez voir. Cette épreuve-là, on n'a toujours pas eu dans ce mythe, hein, cette épreuve. En fait, cette course est tout à fait dans l'esprit de notre petit club de course. Notre truc, c'est de prendre les meilleurs pilotes de street du monde et de les mettre dans des situations complètement folles. Contrat rempli. Moi, ces épreuves-là, c'est vraiment mes épreuves préférées sur ce chrono. J'espère que sur ce chrono, en fait, on aura des épreuves comme ça, parce qu'en vrai, ça j'aime bien, mais... à l'aveugle s'enchaîne. Tout le contraire des conditions de course idéales. Hein? C'est joli, hein? On voit les arbres, les petits sapins. Moi, j'aime bien les petits sapins ici, ils sont vraiment jolis. Avant la prochaine étape. T'assure, continue sur ta lancée. Et bienvenue au sommet. Je sais que c'était comme faire de la luge en ascension, mais t'as atteint le pic. Bien sûr, tout ce qui monte doit redescendre. J'espère que t'es prêt pour une descente de folie. Donc du coup, on a fini du coup cette épreuve de glace, hein, du coup.
Donc je vais montrer l'emplacement tout simplement de cette toute nouvelle épreuve. Donc sur la carte. Donc l'épreuve du coup qu'on vient de faire, elle était juste ici. Et vraiment, j'aime beaucoup ces toutes nouvelles épreuves de glace sur The Crew 2. Donc voilà, donc l'emplacement est ici. Donc dans la prochaine mise à jour, et on va avoir aussi le droit à avoir des nouvelles épreuves, hein, bien évidemment. On va en avoir beaucoup plus que dans cette mise à jour. C'est-à-dire en gros que tous les lundis et tous les samedis, à la saison 8, vous aurez des vidéos tous les lundis et tous les samedis pendant quasiment 4 mois. Donc la prochaine fois, on se retrouvera pour se faire The Descent. Donc on se retrouvera le lundi 6 mars. Donc au lundi 6 mars, c'était sous les 100 trophées.